Zak kidnapping qui a pris possible dans le pays à côté chaque jour qui passait. Ou t'as dit gain yon moun ke bandi kidnappé dans le pays là. Nous t'a parlé matin là dans commencement journal là dans titre journal là gagné journaliste Franzi Siméon qui est bandi kidnappé hier soir jeudi dans rue 3 zone avenue Christophe. Mais hier soir là bandi est kidnappé lui même pour qu'on gagne ces nouvelles pour qu'on ait et bien ça qui dit bon côté bandio avec famille. Mais nouvelle là c'est que Franzi Siméon journaliste ça que bandi kidnappé hier soir dans rue 3 zone avenue Christophe pour dit bien zone lycée Jean-Jacques des Salines. N'avancer avec l'autre information dans le journal concernant démission envoyé spécial américain en Haïti, Daniel Foot qui remet la démission avec le secrétaire d'État américain qui c'est Anthony Blinken. Qui ça Daniel Foot lui-même dit dans lettre démission ça n'a venu avec l'ici lettre là exactement. Côté, li commencé pour le dire. Envoyé spécial États-Unis en Haïti, M. Daniel Foot, li démissionné dans poste li. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken, niveau El Bali. C'est à gros déception et puis excuse pour tout le monde qui a cherché bon genre changement. Moi, démissionné dans position comme envoyé spécial États-Unis en Haïti. Une démission qui valable immédiatement. Moi, pas associé à la décision qui pas bail moun valet. Décision qui pas bail résultat États-Unis prend pour déporter un paquet milliers réfugiés haïtiens et immigrants illégaux en Haïti. Yon pays côté officiel américain yo c'est sécurisé y a sécurisé local yo à cause danger pile gang ak zam qui contrôlent pays en chaque jour. Façon nous faire politique en Haïti échoué dans tout sens. Ça c'est Daniel Foot qui a parlé dans l'aide d'émission ça. Et puis recommandation moi fait yo ignoré yo et puis yo mette yo sous côté. Les yo pas modifié yo pour rapporter une histoire qui différent de ça me rapporter. Peuple haïtien qui coincé dans la misère, qui otage, zak terroriste, kidnapping, vol ak massacre, yon bande gang ak zam, et puis kap soufri en bas yon gouvernement corrompu, qui gen alliance ak gang, pas capable supporter yon bande immigrant yo, déporté ak force qui pa gen manger, qui pa gen l'argent à côté pour yon dormi, sans pa gen yon nouveau tragédie non capable éviter. L'état faïsa qui gen en haïtien, pas capable bay sécurité, service de base yo. Non sans ça, plus réfugiés pral alimenter plus désespoir à crime. Tout autant, n'a ajouté sous la misère ça qui pas acceptable en Haïti. Quantité immigrants haïtiens qui a envahi frontière noire a vinn pi plis. Haïtiens ont besoin d'assistance rapide pour permettre au gouvernement neutraliser gang yo, restaurer l'ordre grâce à la police nationale. Yo besoin yon vrai accord entre société civile ak acteurs politiques yo ak bourade communauté internationale pour yo dessiner yon agenda pour choisir démocratiquement prochain président ak parlementaire yo. Yo besoin assistance humanitaire, l'argent pour bay vaccin contre Covid ak en pile l'autre bagaille. Mais ça zami haïtien nou yo vraiment besoin. C'est chance pour yo définir destin yo sans candidat marionnette ak yon série moun communauté internationale la télé guidée. Et puis yon support qui sincère pour yo rive fè ça. Mwen pa rete kwè Haïti a janm gen stabilité tout autant citoyen yo pa gen dignité pour yo vraiment choisi moun yo vle ki pou dirije yo nan yon façon ki jis ak acceptable. Daniel Foot k'ap parlé dans la démission ça toujours. Semaine passée, ambassade États-Unis ak yon série lot ambassade dans Port-au-Prince sorti yon note publique pour appuyer premier ministre de facto Dr. Ariel Henry qui pas sorti dans élection comme dirigeant intérimaire en Haïti. Et puis on continue à pouvoir monter accord politique liant sous un autre accord qui pillage société civile là té travail pour créer avant ça. Orgueil nous gagnant qui fait nous penser non capable choisir encore monde qui doit gagner, li impressionnant. Si intervention communauté internationale là dans politique Haïti a toujours bay résultat tête chargée. Plus mauvais politique a bay plus tête chargée en Haïti mais tout aux États-Unis et dans toute région dans le monde. Daniel Foot qui t'a parlé dans lettre d'émission ça que le voyez et by Anthony Blinken. Mais n'a dit tout rapidement getan gagnant des l'autre membre administration Biden a lui-même décidé voyez semaine qui a venir là pour venir t'a parler avec acteur yon en Haïti. Deux membres administration Biden qui c'est Brian Nichols et Juan Gonzalez a gagné pour visiter Haïti semaine qui a venir là, il y a gagné pour t'a parler notamment avec acteur politique dans société et puis société civile là sous situation Haïti en selon une source diplomatique nous-mêmes dans salle nouvelle Radio Méga nous capable à faire confiance. Concernant l'état d'émission Daniel Foot
gagnent et bien un responsable département d'état américain qui c'est Ned Price qui répond Daniel Foot dans lettre lien. Il dit que aucune idée pas ignorée dans ça Daniel Foot a dit mais toute idée yo pas obligé c'est bon idée. C'est ça Ned Price qui répond Daniel Foot. Il y a plusieurs conversations politiques qui fait dans haut niveau sur Haïti et toute proposition parmi yo que Daniel Foot lui-même li venir mettre dans discussion ça yo fait objet et d'analyse débat gros discussion dans cadre d'un processus politique très dur et transparent que yo même dans niveau international là y a passé. C'est ça le press lui-même li dit suite avec propos Daniel Foot yo li fait comprendre toutefois que certes en pile la proposition Daniel Foot yo jugé que yo préjudiciable mais yo engagé tout envers sa promotion démocratie en Haïti mais gagné tout bon, pas jeté mais dans cadre d'un processus sa définition politique mais yo gagné pour analyser yo. Selon sa porte-parole là lui-même n'a pas Daniel Price lui-même lui dit dans affirmation que le fait de Daniel ça Daniel Foot lui-même dit yo. Selon lui-même en gagné la proposition Daniel Foot que yo pas ignoré mais tout simplement yo gagné menti là-dedans selon ça et Daniel Price lui-même lui dit au gens de dire il dit aucune idée pas ignorée mais toute idée yo pas obligé c'est bon idée. Les réponses, c'est ça, de Price lui-même, de répondre à Daniel Foot. Côté le fait qu'on est, yo pas analyser contenu, lettre de démission Daniel Foot. Là. Selon de Price, il fait référence avec la situation Haïti, dans un moment difficile que le pays a connu, qui mandé sa nele, yon leadership, au lieu pour que participer dans un processus politique qui axé sous solution, selon sa envoyé spécial, Daniel Foot lui-même te dit, elle dit, il écrit dans lettre de démission. Elle déformé. Circonstance de sa démission, ça veut dire les bagages que selon la presse, il dit Daniel Foot dit là, qui pas gagné pour dans ça l'écrit dans les démissions. Il dit il regrette que c'est comme ça Daniel Foot lui-même n'y pensait. Il croit qu'il était capable de profiter occasion ça pour le faire part de préoccupations que le gagne ensemble avec sujet question migration sous question ça en et situation compatriote haïtien yo dans États-Unis. Il dit il croit que Daniel Foot était capable poser problème ça et mais c'était occasion pour que lui-même était gardé dans quel niveau que ensemble, il était capable de réfléchir sur la situation. Ça, d'après ça, le presse lui-même l'a dit. C'est ça, réponse que le bail avec et l'aide à Daniel Foot, qui lui-même s'est envoyé spécial à Haïti sous question crise pays à Poné. J'en dis à la gué de l'autre et bon, gué de et le personnage d'administration Joe Biden lui-même choisi là pour capable de discuter avec acteurs yo dans jour qu'a venir là j'en disant c'est Brian Nichols et Juan Gonzalez qui a visité pays semaine prochaine côté Ukraine chita à parler avec acteurs politiques et puis société civile là sous situation Haïti selon ça une source diplomatique lui-même fait nous connaît dans niveau ça nouvelle radio méga. Rapidement, les réactions qui commencent à tomber après eh bien, l'état de démission que Daniel Foot lui-même lui remet avec le secrétaire d'État américain Tony Blinken, gagné membre combat syndical la populaire, c'est Jésus Mérilien, qui lui-même s'allie démission Daniel Foot là, lui trouvait que dans l'état de démission Daniel Foot là, lui montrait que dans quel niveau international, ensemble avec un ensemble de politiciens d'Haïti, eh bien responsable en situation pays à connaître dernier temps ça. Jésus Mérilien qui encore m'a demandé avec la population pour courir à corps Montana et dans salement dit que pour yo capable rejoindre yo dans véritable accord ça. Il profite annoncer deux gros journées de mobilisation pour jeudi vendredi 24 septembre et puis 4 septembre qui venir là. La donne tout yo pral dit non avec façon autorité américaine a déporté compatriotes haïtiens yo. En côté José Mérilien dans micro Radio Méga. Nouveau coup de chapeau by Foot qui osait. N'a dit non nouveau coup de chapeau by Foot qui osait. N'a dit non élan moun dénoncé d'Adi Koulbe la Kaili qui a fait crime dans le pays et qui a associé des criminels haïtiens pour faire bien tourner on chante gagne tourner on l'a fait. Donc nous dit tout le monde, tout haïtien, par exemple foot là, tout Julio converti yo en patriote, vous suspendez sa vie américain pour être pays pour payer au pays que nous vivre tant que moun et puis la dignité dans genre de saline de prévoir. Marche là c'est une organisation qui jeune garçon jeune femme qui indigné par rapport à traitement qui baille à compatriotes qui sont marche pour demain 23 et marche ça il va marcher le oui mais 2024 marche ça il va marcher pour qui dans ce lieu c'est tout pays tout haïtien qui dans figure qui monde toujours qui va tout d'endadi qui va déshumaniser qui indigné de joindre sous béton demain. La commence à Kafoua au bord, la place constitution. Et ça, c'est pour bien activer des mobilisations pour nous reprendre l'idée nationale, nous, pour nous prendre des scènes en main.
Et le 13 septembre, nous avons devant l'ambassade américaine pour nous aller Sison comme premier criminel cap d'Adi Corée, criminel Boris Tito, que le peuple a compris, mais le peuple n'a pas d'accord qu'elle continue à faire ça criminel dans le Kembe de pouvoir gagner. Qui a tout fait pour la bien tout en fait. Pays où c'est pays nous. Nous le cas vivre là-dedans. Petit tout le cas vivre là. Et pour ça fait, il faut que nous puissions être dignes, fils de Christophe et Staline, pour nous garder tous les criminels, criminels haïtiens, criminels américains, criminels étrangers, pour nous dire pour foutre dans la belle histoire. Et pour payer capable de vous dire avec haïtiens. Et dans ce sens, accord Montana, c'est les outils que nous avons nous. Et accord Ariel qui visait, nous dit. Bah, Américain, mais bien sous pays, fait bien tout l'enfer. Faut nous mettre dans la poubelle l'histoire, mettre alliés dans l'histoire, mettre l'envers dans l'histoire, mettre tout criminel, dire les drogues qui ont servi pour faire bien tout l'enfer, mettre tout dans la poubelle l'histoire et pour prendre ce noir. Mais c'est un défi pour élever comme haïtien. Tout le monde dans la vidéo, vous allez camper pour dire non, c'est ça le monde là. Nous disons que c'est un illégal que nous avons fait pour tenter d'imposer la nation, un accord criminel. Accord gun que l'IP impose la nation. C'est ça lié. Donc, ce n'est pas illégal, nous ne pouvons pas gagner pour nous. Dadi, Nicodoli, et pour bien le camper, contre tout Ariel, toute équipe Lio qui nous dit, monsieur KPIA, nous saluons là, je veux dire. Et voilà, déclaration, professeur Josué Mérilien, un membre combat syndical, organisation populaire, caca politique. Il y a un ancien député Franck Lotio qui qualifiait bonne nouvelle démission Daniel Fouteland qui montrait irresponsabilité à l'administration américaine pour Haïti. Présence Daniel Fouteland, c'est juste un saupoudrage parce que c'est ambassadrice américaine Sison qui représentait volonté gouvernement américain en Haïti. D'après ancien parlementaire qui fait qu'on est division dans l'état haïtien, yo, qui bat États-Unis tout pour voir ça, pour prendre décision n'en place nous. En côté, ancien député Frec Lotio, un ami co-collaborateur, nous remanons samedi. Nous pensons que démission Daniel Fout, c'est une bonne nouvelle. C'est un acte qui traduit une forme de solidarité avec les Haïtiens. C'est un acte qui révélait un peu l'irresponsabilité de l'administration américaine. À l'égard des Haïtiens, moi pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a toute signification, tout sens. C'est bien possible que Daniel Fouteland est inconfortable. Il ne faut pas oublier que les États-Unis positionnent le pas jamais changé par rapport à Haïti. Je ne sais pas pour demain si Dieu veut, mais hier, avec Jodia, les États-Unis pas qu'on jamais fait preuve d'amis à l'égard d'Haïti. Donc, comme moi prends l'habitude de dire, en pile dans actes américains posés à l'égard d'Haïti, ce sont des actes inamicaux, des gestes inamicaux. Et je dis toujours qu'un allié doit être traité comme allié, sinon il ne l'est pas. Et si son, c'est mécanisme, c'est le canal, c'est levier et l'administration américaine pour faire politique qui passe en Haïti. La désignation d'un envoyé spécial pour Haïti est capable d'un acte de saupoudrage. Ancien président chambre député Jean-Tolbert Alexis minimisé démission Daniel Fouteland pour président ensemble nous ferons démission ça voulait cacher échec diplomate l'en face à mission il était gagné pour joindre une solution à crise là Jean-Tolbert Alexis lui-même allait plus loin pour le dire ça qu'arrivait que Daniel Fouteland lui-même était gagné agenda mais agenda l'ensemble pas qu'à satisfait en côté Jean-Tolbert Alexis dans micro collaborateur nous remanait samedi. OK, je suis également un diplomate, je comprends la position et les déclarations des diplomates. Ça veut dire que au-delà de ce qui est écrit, il y a de ce qui n'est pas dit. Ça veut dire au-delà de ce qui est écrit, il y a ce que la personne attendait. Ça veut dire que l'homme en fonction, l'igon bagaille la patente pour le cas aller plus devant. On va pas rentrer seulement, on va faire lecture au premier degré de Samounan dit pour le capable montrer ou bien pour le dédouaner tête pâle. Et l'homme accepte en fonction, on accepte avec ses bénéfices et ses avantages et désavantages ou qu'a réussi ou qu'a pas réussi. Peut-être événement Rio Grande assez. Ce élément déclencheur, peut-être que nous n'avons pas l'autre agenda et pas qui pas arrivé passé. M'a fait lecture au premier degré et m'a fait lecture qui est beaucoup plus profond comme diplomate que je suis moi-même. Mais ceci étant dit, les mots sont clairs et simples. Il parlait de, tant que je me dis, Haïti pas mérité, ça y a fait là, nous pas mérité, nous sommes peuple solidaire, nous sommes peuple
qui accueille nous-mêmes, n'importe monde vient la caille nous, n'importe monde vient habiter la caille nous, pas de problème dans pays nous. Et malheureusement pour pays nous pas dans condition d'un maximum de sécurité et nous sommes pays tout qui fragile par rapport à l'environnement, on a fait parler de ça, 0.2% couverture forestière, on sait ce qu'on y a chaque 5 ans et nous dans un cyclone, donc faut nous pas sensibiliser sur ça, puis bois couper zabouka couper pour faire charbon. Donc nous comprenons l'être diplomate là comme diplomate. On prend pour ce qu'il est, on prend pour s'allier au plus profond. On avance avec l'autre information dans le journal. Sorti dimanche passé pour arriver mercredi passé à Haïti, recevoir 1314 migrants sous 12 vols sous aéroport Toussaint-Louverture. D'après le coordonnateur ONM, Jean-Nigou Bonheur Delva, qui fait qu'on est dans tête collée à KOIM, il est arrivé pour les migrants qui continuent à arriver dans deux aéroports. Pour nous dire bien, Cap Haïtien à Port-au-Prince. En côté, plus détail avec Jean-Nigou Bonheur Delva, dans micro collaborateur, nous Jean-Philippe Masséan. Mais pour 12 vols à yo, nous recevoir, il fait justement un total de 1314 migrants. ONM accueilli 1314 migrants sorti dimanche pour arriver hier mercredi. Je me dis, en bonne partie, nous recevoir au aéroport Toussaint-Louverture et un seul vol, nous recevoir au Cap Haïtien. Je vous dis, volio encore à multiplier à travers le Cap, n'a bien trois, et ici à Port-au-Prince, on aura trois autres vols. L'idée est partie comme ça, ensemble de monde ONMT accueillis, 332 femmes. C'est nombre de monde, ça y est, femmes, justement, que ONMTIV accueillit de dimanche à mercredi. 545 garçons, et nous te recevoir également 404 timoun. Sans oublier les 83 hommes accueillis justement au Cap Haïtien qui fait total de 1314 migrants. Maintenant, nous toujours dit que ONM fait en prise en charge lors de l'accueil. Malheureusement, jour-jour, l'État haïtien pas permettre ONM gagner un budget pour le capable lui-même personnellement comme ONM pour réagir. Mais n'a toujours été dans même dossier responsable ONM nan Jean-Nigou Bonheur Delva pour tes précisions sur causé 1500 goud Capaléo. Jean-Nigou Bonheur Delva précisé c'est OIM qui bail chaque migrant yo une enveloppe 10000 goud. ONM a pagé rien pour louer avec l'agence ça parce que jusqu'à présent autorité centrale yo pas débloqué yo goud lesco pour ONM supporter migrant yo. En côté Jean-Nigou Bonheur toujours dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Masséan. Gagné en tasque force qui montait qui gagne la donné le ministère du commerce, qui gagne la donné le ministère de l'intérieur des collectivités territoriales, le ministère des finances, etc. Même si c'est le ministère du commerce, c'est pour me dire que le ministère ça a gagné plus ou moins de programmes sociaux que vous pilotez. Eh bien, à travers structure de suivi ONM, il est clair que les gens qui sont vulnérables, nous gagnons justement pour que nous travaillions de concert avec eux, ouais, comment le ministère du commerce est capable de faire pour permettre nous de gagner et des activités génératrices de revenus qui permettent de subsister pendant qu'ils rentrent dans le pays. Concernant les frais de 10 000 goudes, je l'ai dit, ONM pas bail migrants aucun cob parce que l'État haïtien n'a pas décaissé tout ça. Gagner OIM qui lui-même et plan engagement pour bay moun yo 10 000 goud. Maintenant, si nous tendez moun yo di ou pa jwenn 10 000 goud, ONM n'est pas au courant. C'est pour nous essayer, ouais, les responsables de l'OIM qui sont même capables de fournir nous beaucoup plus de détails ou encore de boutiques, car nous autres, ONM, n'ont pas bay moun yo frais cette fois-ci. J'en dis parce que l'État n'a pas décaissé pour ça. Maintenant, on dit que concernant le passeport, yo, je dis que notre task force qui monte, gagne la donnée le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Même ça nous fait, lorsque nous avons gagné un document de voyage qui n'est pas disponible ou bien qui t'a perdu, l'EA nous fait rapport là et vous dans le ministère de l'Intérieur pour permettre que nous soyons capables de nous-mêmes recouvrir pièces d'identité. Vous avez l'état pas de caisse comme une situation pareille, écoutez, nous continuons à recevoir le monde et comment vous expliquez ça? Vous n'aimez pas la boule de caisse comme ONM, là pour l'accueil immigrant,
Maintenant, nous avons des ressources humaines qualifiées à travers tout aéroport, du aéroport international, nous, bien entendu, et à travers toutes les frontalières. Là, nous avons toujours disponible, ONM toujours là, mais cependant, j'aime dire, ONM pas recevoir en dessous de l'État ici pour question de rapatriement. Voilà, déclaration Andy Kodante ONM nan Jean-Négo Bonnet Delva sous situation compatriote haïtienne que il y a pimpé voyez ba nous. Ici gagne diverses organisations droit monde divers acteurs qui continuent à réagir mais sous situation face aux autorités américaines n'a pas expulsé mais voyez par bon site plusieurs milliers de compatriotes haïtiens. Fondation J'éclairer JKL qui déclarait qui dit que les indiens choqués et c'est révoltant façon li wè autorités américaines a traité et migrants a et mi haïtien yo je façon y a voyou tourner par boy site et qui trouve dans situation très difficile dans état Texas aux États-Unis. Non note que metté dehors jeudi a qui donc hier jeudi FJKL rappelé que selon disposition article 33 convention 28 juillet 1951 qui est relative avec un statut réfugié convention de Genève là États-Unis de interdit expulser ou bien pour refouler un ensemble de réfugiés sur territoire d'abord les doit garder sa relais qui de façon que la vie yo li doué la vie avec liberté yo li pas doué menacé dans façon que l'a expulsé yo FJKL dit pas comprendre que état lui-même États-Unis là façon y a voyé tourner ressortissant yo pas boy site notre question situation qui est très difficile côté jeudi à là situation question sécurité dans pays a li a augmenté et même nous tout qui l'autre bois dans condition yo ya situation sécurité a li même situation yo pour question sécurité pour la vie très très compliqué FJKL rappelé également que principe non refoulement qui prévoit dans disposition article 22.8 et 22.9 convention américaine relativement avec question droit moun 1969 que États-Unis sien bien gonja pour que le traité immigrant la Cali fondation j'éclairer li mandé avec autorité américaine pour capable camper sous traitement inhumain ça et qui dégradant que y a bail réfugiés haïtiens yo et pendant lancer un appel avec solidarité pour bon côté pays divers pays qui dans région hein, pour capable et bien si pour tes réfugiés haïtiens yo côté droit fondamental yo yo violé et yo passé en papier par l'état qui toujours pas défendre valeur universelle liberté et dignité et puis démocratie et peuple c'est ça FJKL lui-même l'a dit dans note ça que le mettait dehors jeudi hier qui c'était 23 septembre 2021 n'a toujours été dans même dossier ça puisque il y a diverses organisations de base qui yo même placé mon paio sous situation ça façon autorité américaine yo même a pimpé voyez ba nous ici là et bien plusieurs compatriotes haïtiens nous pour regarder côté mais gagner combite syndical qui lui-même ensemble avec IPAM UNO qui réagit en façon que autorité américaine yo a voué tourner par ici compatriotes haïtiens yo mais là diverses organisations de base à parti politique tant que UNO IPAM gagner PAPDA combite syndical à populaire et lui-même condamné face à l'administration Joe Biden a déporté plusieurs milliers compatriotes une membre combite qui c'est José Mérilien critiqué autorité américaine yo li dit qui violait droit migrants haïtiens ça yo militaire politique là pas mettre dans bouche li pour critiquer chef gouvernement haïtien Ariel Henry li dit qui pas même qu'à défendre droit patriote Silayo. Nous allons inviter nous suivre un reportage avec Salle Nouvelle Radio Méga sur après réaction diverses militants de l'organisation Silayo. Nous allons attendre exactement sur comment ça y est. TTA n'a voyons en pile qui a levé dans société a dans divers secteurs pour condamner face aux autorités américaines yo a voyé tourner par boycite plusieurs milliers compatriotes professeur José Mérilien lui-même tout cap gardé et puis tendez son haïtien sa yo dit li indigné révolté.